Alors ces blocs, c'est pour mettre du texte, mais évidemment, si je mets le texte dans le gabarit, je vais me retrouver avec sur chaque page du document le même texte. Donc en fait, le boulot sur le gabarit, il est terminé. Il faut maintenant qu'on aille travailler dans le document pour mettre sur chaque page du texte différent. Vous allez double-cliquer sur la page 1. Vérifiez bien que vous êtes en train de travailler sur la page 1. Ben déjà, dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule page qui s'affiche. C'est facile. Mais en plus, vous avez en bas à gauche du document, il est indiqué que vous travaillez sur la page 1. En bas à gauche de la fenêtre du document, il est indiqué que vous travaillez sur la page 1. Je le précise vraiment parce que j'ai des problèmes avec les stagiaires. Quand je leur dis de double-cliquer sur des pages, ils cliquent sur la page. Et donc, ils sont restés dans le gabarit. Donc, ça ne va pas. Là, il fallait vraiment double-cliquer. On est sur la page 1. Alors, sur la page 1, avec la flèche noire, quand vous cliquez sur les blocs, ils ne s'activent pas. Pourtant, ils sont là. Ils viennent du gabarit. Ben oui, le gabarit s'appelle gabarit A. Et la page reçoit le gabarit A. C'est ça le petit A qui est indiqué là. Et pourtant, les blocs sont inaccessibles. Est-ce que vous savez comment déverrouiller un élément du gabarit? Voilà, à ce stade, si vous voulez télécharger le document tel qu'il est chez moi, c'est cette adresse-là qu'il faut utiliser. Bonne question, est-ce que c'est un I majuscule ou minuscule? On va voir ici. Je vais le recoller ici en changeant la police. Bon, mais c'est un I majuscule. C'est vrai que c'est mal fait leur truc. Il faudrait peut-être que je change la police de caractère dans mon navigateur aussi, ça pourrait aider. Donc, on est sur la page 1, on en était à dire, mais tiens, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès au bloc qui est là sur la page? Eh bien, il va falloir enfoncer CTRL et majuscule sur le PC. Donc, on ne parle pas de caps lock, on parle vraiment de la touche majuscule. CTRL majuscule et cliquer sur le bloc. Et sur le Mac, ce sera évidemment CMD majuscule et cliquer. Et voilà. Ah oui, du coup, les blocs qui étaient chaînés avec se sont déverrouillés aussi. Parce qu'ils étaient chaînés. Alors, dans les préférences de InDesign, à la rubrique texte, donc sur votre PC, édition, préférences, texte, vous avez ici quelque chose qui est enclenché d'office dans InDesign. Bon, parfois, j'aime bien le désenclencher parce que ça crée un automatisme qui est parfois pas très... je préfère contrôler parfois les choses plutôt que ça se fasse tout seul. Mais là, il est enclenché d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je colle dans le bloc du texte et qu'il n'y a pas assez de place pour le montrer, eh bien, ça va ajouter les pages automatiquement. C'est la redistribution intelligente du texte. Donc, vous avez juste vu que ça marche. Enfin, que c'est enclenché. Vous pouvez sortir des préférences. Et on va aller ouvrir un document qu'on a fait ce matin. Donc, fichier, ouvrir une composition récente. En principe, si vous n'avez pas mis un nom trop long, vous arrivez à voir le numéro à la fin, dans le menu. Donc, je pense que le dernier, c'était là, le numéro 7, chez moi. Vous ouvrez le dernier doc de ce matin, en fait. Parce qu'on va les prendre dans un des trois articles, dans un des trois blocs qui sont là. On va aller prendre le texte qui a été formaté. Bon, ben prenez dans n'importe lequel des blocs, sauf le bloc de droite, qui a normalement du texte plus petit. Donc ce qui m'intéresse, c'est celui-là ou celui-là. C'est la même chose de toute façon. C'est le même texte. Ils utilisent le même style de paragraphe, ils sont juste dans deux colonnes de largeur différente, mais c'est le même texte. Donc je clique dans une des deux colonnes là, un des deux blocs, je fais CTRL A,
puis CTRL-C pour copier. Puis on navigue vers notre document qu'on est en train de travailler. On met le curseur dans le bloc. Bon, si vous essayez de cliquer dans la colonne du milieu ou de droite, ça ne marche pas. Le curseur est toujours en haut à gauche, c'est logique. Hein, c'est là que débute le texte, puisqu'ils sont chaînés. Et vous faites un coller. Normalement, dans la palette style de paragraphe, le paragraphe utilisé par le texte devrait s'ajouter automatiquement. Et voilà, c'est le cas. Et vous avez eu des pages qui se sont créées pour que tout le texte soit visible. Enregistrer le document.